Hello, bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Nos et Actions du 8 novembre 2023. Des petites pépites, donc enrayeur, en studio light. Action, c'était plus pour les basiques, quoi. Les basiques et puis des choses pour Noël, quoi. Et aussi à Nos, il y aura aussi pour tout ce qui est mon événement du marché de Noël. Fallait que je prépare un peu une déco, quelque chose de joli, quoi. Pour voilà. Donc je vais commencer par ce qui est pour mon marché de Noël. À Nos, du coup, je commence par Nos. On a un sapin. On a le sapin rouge aussi. Voyez, hop. Ça en fait deux d'un coup. Donc un rouge, un blanc. Donc, il y en a plusieurs, un rouge et blanc. Je dirais qu'il y en a deux ou trois. Ah non, il y en a deux. Parce qu'il y en a six en tout, je crois. Il y a celle-ci. Les cœurs, comme ça. Je trouvais que ça pouvait faire très Noël. Et il y a les étoiles. Et il y en a d'autres deux chaque. Vous voyez, hop. Et il y a celle-ci. Voilà. Donc c'est sympa, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ça va être joli. Donc rouge et blanc, c'est les couleurs aussi de Noël. Donc parfait. Je mets dans le sac. Voilà. Aussi j'ai trouvé donc du coup du bolduc. Il y en a x 1. Ça fait 40 mètres x 10 mm. C'est à 2,50€ moins 50% toujours. Voilà. Voilà. Top. Ensuite, pour la table, j'ai trouvé des rouleaux comme ça. Alors, il y en a de chemin de table qui font 36 cm x 5 mètres. Donc, très joli en doré comme ça. Donc, 5€ moins 50% toujours. C'est de la marque Roland. Loisir, Annecy, Roland. Je crois que les autres trucs, je ne sais pas. Il y avait plein de trucs sur Noël. Et j'ai pris ça aussi, chemin de table 36 x 500 et mètres, centimètres, pardon. Et c'est du 50% et tout. On a 16 ou 15, voilà, dedans. Donc c'est des petits embellissements en bois comme ça. Voilà. Ensuite, ça voilà, pour ça, c'est bon. Ensuite, de la marque Rayer. Donc j'ai trouvé des coins comme ça. Alors on va pas trop les voir, on va aller mieux les voir comme ça. Ils étaient à 59 centimes. Donc j'en ai pris deux. Voilà. À 59 centimes. Donc des coins rayeurs. Donc 59 centimes pièce, il y en a 4. Donc ça m'en fait 8. Donc trop bien. Voilà. Et de la marque Rayer, j'ai trouvé ça pour si j'ai un thème enfant, bébé encore, et bébé garçon, cette fois-ci. J'ai trouvé à 59 centimes des embellissements, je ne sais pas combien il y en a dedans. 36. Ils font 2,25 cm et il y en a 36. Donc voilà, il y a de quoi faire. Voilà. Et ben on va passer à ce que vous préférez, je pense. Mais avant de passer à ce que vous préférez, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et on continue avec Nos et Studio Light. Donc de chez Studio Light, des perles comme ça... en 3D, ouais, 3 tailles plutôt, à 1,99€. Donc j'ai pris en rouge et en vert, toujours pour mon marché de Noël. Voilà, donc très bien. 1,99€, c'est de la marque essentielle. J'avais eu les cœurs aussi une fois, donc très bien. Avant de repasser à Studio Light, j'ai juste oublié quelque chose et je repasse à Studio Light après, comme ça on passera au Dice. Le loisir Annecy & Company, là, Roland, j'ai trouvé ces stickers smooth. Voilà. Du coup, à 3,99€, j'ai trouvé ceux-là ici, trop beau. Même pour Noël, pour Pâques,
pour Noël parce que la lanterne, elle peut faire tout. Je pense qu'elle peut faire aussi pour le 31. Donc à 3,99. Voilà. C'est de la collection Warm Cozy Jenine Minfade. Minfade, c'est toujours du Studio Light. Art Collection, Lanterne Label. Donc celui-là, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci aussi que j'ai bien aimé. Voilà. Le flocon de neige. Donc il s'appelle Essentiel, c'est dans les rouges. C'était à 3,99. J'aurais bien aimé trouver celui-là. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, 3,99 celui-là. L'autre, je vous ai dit quoi? 3,99 aussi. À 4,50€, j'ai trouvé celui-ci. Donc, je pense que c'est pour tourner, en fait. Donc, c'est un essentiel bleu. C'est le Reveal Well. Donc, je pense que c'est la roue. Donc, ça, j'ai trouvé ça sympa. Pour mes birthday ou un autre truc, quoi. J'ai trouvé ça sympa. 4,50€, ça, j'avais pas. Et il y en avait d'autres. Il y avait l'arbre que j'ai pas pris. Le cœur, je crois que je l'avais. Donc je ne l'ai pas pris, mais celui-là je l'avais pas. Donc voilà, il y avait l'arbre. Mais bon, après les autres trucs, je crois qu'il y avait celui-là aussi au moment de temps, mais là il n'y avait plus. Donc voilà, à 4,50€. Après il faut faire des choix. Hein. À 4,50€, celui-là j'ai bien aimé bah, la map monde. Le côté robot. Donc celui-là c'est un Art by Marlène. C'est Out of This World. Moi j'aurais bien aimé trouver bah, la lune. Celui-ci, 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 voilà. Et d'autres? Non, les autres, non, je suis pas fan. Mais ceux-là, ouais, j'aurais bien aimé les trouver. Donc celui-là, il est sympa. Il y avait les robots, mais je les ai pas pris. Parce que moi, les robots, c'est pas trop mon truc. Mais franchement, celui-là, j'ai trouvé sympa avec la petite fusée et tout. Même pour une carte enfant, pour une carte, voilà. À 4,50€, c'est le Around the World. Voilà. Je vous fais bien voir proche. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Voilà. Ensuite, la collection, toujours Studio Light, Moonflower. J'en ai trouvé deux. Dont celui-là en premier. Je le trouve magnifique avec la baleine, l'ours. L'ours et le... Je dirais un loup. Oui, bon, bref. L'ours, les constellations et tout. Celui-là, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, il est magnifique. Je vous refais voir bien parce que celui-là, franchement, il est magnifique. Et ça donne ceci. Et ça, c'était à 4,99€. Vous voyez, ça augmentait un peu les prix. Mais bon. Il y en avait d'autres qui étaient sympas. Ouais, j'aurais bien aimé trouver la montagne, là. Celui-là. Mais c'est pas très grave. Je les trouverai peut-être plus tard. Voilà. Donc voilà, trop contente. Ensuite, de la marque toujours Studio Light, le Moonflower, j'ai trouvé celui-ci aussi. Donc celui-là, c'est pour... on peut installer une carte dessus. Donc j'ai trouvé ça sympa. Il était à 4,99 aussi. Et il s'appelle Moonflower. Après, j'ai pas d'autres... Voilà. Et ça peut faire ceci. Vous voyez, faire une carte comme je suis un chevalet posé. Je trouve ça super sympa. Il y a 4,99€. Je vais pas hésiter. Ça peut être Noël aussi. Ensuite, on continue dans les dies. Donc, dans les dies, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-là, il était plus cher. Mais j'avais pas. À 7,50€, j'avais les deux autres après. Et j'avais pas le troisième, je l'ai trouvé aussi. Donc c'est pour faire ceci. Ça j'avais pas du tout. Et je trouve ça sympa. Donc c'est un essentiel bleu. Donc c'est Oval Zigzag Cart. Je trouvais ça très très sympa à faire. Donc voilà, pourquoi pas l'avoir pris. À 7,50€, j'avoue qu'il est un peu cher. Hop, on va le mettre là-bas parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Et une carte comme ça, le 3D Twitter Cart. Pour faire comme une scène de théâtre, je dirais, Twitter.
me demandez pas mon anglais, à 7,50€. Et du coup, bah, je les ai tous, là, cette collection-là. Donc, très contente. À 7,50€. Voilà. Ensuite, on passe au masque. Au masque, et je pense que c'est un pochoir l'autre. Donc, je vais mettre d'abord les masques Crunch. Et après, voilà. Avant le match Crunch, j'ai trouvé celui-ci qui peut faire très Noël. J'aurais bien voulu trouver les autres. Je ne les ai pas trouvés. Mais bon, celui-là, il est déjà pas mal. Avec les petites étoiles et tout. Il était à 1,99€. Donc ça, c'est vraiment pas trop cher. Ça va. C'est un essentiel rouge. Voilà. Hop. J'ai trouvé en Crunch celui-ci. En masque. Alors, lui, il est magnifique. Voilà. C'est vraiment magnifique. Il était à 1,99€ aussi. C'est toujours un grunge. Mais alors franchement avec les flocons, tout ça, ça peut me servir pour Noël. Celui-ci qui est moins Noël mais qui est sympa quand même. Ils étaient tous, hein, mais j'étais pas pris. Là. Je vais voir dans la collection comme ça, ouais, non. Ils étaient tous. Il y en a juste un que j'ai pas pris pour l'instant. On verra si je le prends plus tard. À 1,99€, voilà. Pareil, il n'y a pas le prix, mais voilà, c'est la même chose. Et celui-ci, pareil, à 1,99€. C'est le Grunch, et il fait comme ça un peu les motifs, comme ça. Voilà, je vais voir derrière. J'essaie de bien vous faire voir. Voilà. Ensuite, ça, ça doit être un pochoir plutôt. Et j'ai trouvé ce pochoir-là. Je trouvais très joli. De, toujours de Janine Minfold, donc voilà, il est vraiment très très beau et on peut faire cette colorisation art collection. Voilà. Donc ça, non, ça va pas m'aider pour maintenant. Ensuite, ah, pour une personne, donc je vais trouver des tampons. Je m'en suis trouvé moi aussi. Hein. Donc je vais trouver en Grunch, elle voulait celui-ci. Donc je vais trouver le bateau. Voilà, on va faire un échange bientôt. À 2,99€. Donc voilà. Il est magnifique le bateau. Donc ça c'est pas pour moi. Je vais le mettre là. Ensuite je vais trouver celui-ci. Moi je me le suis pas pris pour l'instant. Je sais pas si je me le prendrai. À 2,50€. Voilà. Celui-ci est très dans le thème Noël, hein, avec le bonhomme de neige et tout. Il était sympa aussi, ouais, avec la cloche, là, il est sympa. Donc voilà. C'est de Design by Lauren Van Krupp. Le Snow Woman. L'autre, c'était Grunge. Je sais pas de nom. Pareil, Lauren machin de Studio Light. Celui-ci, avec le Père Noël. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vais trouver. Eh, moi, on a trouvé d'autres, donc c'est pour ça. 2,50€. Voilà. Et celui-ci, alors, je sais plus lequel qui est à moi, lequel qui est à elle, je sais plus, il faut que je regarde. Donc celui-ci à 2,99€. Voilà. Toujours de Lorraine machin. Et là c'est Gift from Santa, Christmas Tree et Worth Santa. Donc à moi. À moi j'ai peut-être un Père Noël, ouais. Un des deux Père Noël. J'ai trouvé du coup le sapin, le même. Hein, je vais pas vous le faire voir, voilà. J'ai trouvé celui-ci que j'ai trouvé trop beau à 2,99€. Le cerf. Voilà. Qui s'appelle Odir. Voilà, le cerf avec les cloches. Je trouvais ça trop joli. Donc ça c'est pour Noël. Hop. J'ai trouvé celui-ci à 2,99€. De Janine Minfold. J'en ai trouvé pas mal. Baroque Damask Script. Donc ça c'est pour faire un fond, clairement. Et il est super sympa. Voilà. Ensuite, de Let's Know, j'ai trouvé celui-ci.
J'essaie de vous faire voir mieux. Je peux, mais... donc à 2,50€. Il y en a des d'autres qui étaient sympas, mais qui n'étaient pas dans mon dos. Donc voilà. Mais avec les lanternes, toujours, c'est sympa, je trouve. Très joli. Très joli, voilà. À 2,99€, donc moi aussi, je me suis pris le bateau. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Et à 2,99€, toujours, je me suis pris celui-ci. Moi, je me suis trouvé celui-là. Voilà, avec les fleurs, comme ça, de lotus, je dirais. Je connais rien aux fleurs. Trop. À 2,99€, je trouvais ça sympa. Ensuite, un autre tampon. J'ai pris celui-ci de Studio Light, le Bégonia. Bon, au moins, c'est des bégonias. Et il est sympa, je trouvais. Voilà. Pour faire une grosse fleur et tout. À 2,99€. Vous voyez, les grandes planches, des fois, c'est à 2,99€. Bon, faut pas chercher à fond. C'est la Let It Snow. Donc voilà. Je vais voir tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, je vais vous faire voir mieux les papiers. Donc, c'est la porte comme ça. Magnifique papier, vraiment magnifique papier. Derrière, c'est celui-ci avec l'oiseau. Magnifique papier, franchement. Celui-ci, la voiture. Derrière avec l'oiseau et le renard. Attendez, je me mets un peu plus loin pour que vous voyez mieux. Voilà. Magnifique, vraiment magnifique papier. Après, on a la maison. Je me mets plus loin. Après, vous voyez mieux. Voilà. Hop, hop. Donc avec les feuilles. Après, on a celui-ci. Avec la forêt. Et les cornes. Et là, la maison. C'est pas le même. C'est pas la même maison. C'est notre maison en plus enneigée. Après, on a des petites étiquettes qui sont trop mignonnes. Voilà. Petites étiquettes comme ça qui sont trop mignonnes. Ou un fond comme ça bleu. Mais moi, j'utiliserais plus les étiquettes, je pense. Voilà. Je trouve que c'est trop beau ce papier. Après, on a comme pour découper des die-cuts. Donc, je les mets un peu plus loin pour que vous puissiez voir. Voilà. Les petits chiens, les petits renards, le petit chat, le petit oiseau. Franchement, tip top. Voilà. C'est du 30,8 par 30,8. C'est du 200 grammes et il y en a 2 x 6. Donc très très cool. Franchement, bravo. Merci Rose pour ce papier qui était à 3,50€. Voilà, 3,50€. Vite fait à Action. Franchement, c'est vite fait. J'ai repris des bases de cartes. Ça doit être 89 centimes. Pour mettre les cartes, là. Du 13-13. Il y en a 50 dedans. Ça, c'est pas très cher. Du comme ça. Vous voyez, je l'avais déjà fait voir celui-là. Donc, je vous le refais voir vite fait. Pour mes trucs de Noël, ça, c'est parfait. Je peux mettre en fond et tout. C'est génial. Et du papier glitter, j'en ai repris chez dans le rayon enfant, voilà. Et du coup, bah voilà, du papier. Ah, il est plus épais que l'autre que j'ai, le glitter du rayon enfant, ou d'un autre glitter. Voilà. Ah non, c'est peut-être pas le même. Ouais. Non, si, c'est le même, je pense. Donc du bleu, du rose, du rose violet, du bleu comme ça, du vert. Celui-là il est joli, le cuivré, le doré, le rose violet comme ça et du gris. Donc très très bien. Ça c'était vraiment pas cher, c'était 99 centimes donc j'en ai pris le bloc. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et tombez sur les pépites de Studio Light. Il paraît qu'il y a un nouvel arrivage Studio Light, alors je ne sais pas. J'ai pas été revoir s'il y avait un nouvel arrivage Studio Light. Mais voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.